Bonjour, je m'appelle Philippe Chemla, je suis directeur général de FO Design, prestataire de services qui propose l'application Edit Yourself aux membres du réseau Apidae. Je suis là pour vous dire pourquoi nous avons décidé d'investir massivement dans la création de la SA Apidae et pourquoi je pense que vous devez le faire aussi. La raison principale, c'est que nous croyons à la rentabilité économique de cet investissement et cela est valable pour nous comme pour tous les membres du réseau, quel que soit leur statut. En donnant à Apidae des moyens importants pour financer la croissance de son niveau d'innovation, de ses services et de son élargissement territorial, nous parions sur la croissance mécanique du marché que représente pour nous Apidae dans le résultat économique de notre entreprise. La SIC SA Apidae sera un formidable outil de création de valeur pour tous ses membres. Bien sûr, pour les prestataires de services comme nous, c'est une évidence, mais c'est aussi une évidence pour les offices de tourisme, comme pour tous les professionnels des territoires français impliqués dans l'accueil des touristes. La France est la première destination mondiale en termes d'accueil des touristes, en volume, mais elle ne se place qu'à la 7e place en termes de résultats économiques. Si l'attractivité de nos territoires est incontestable, nous manquons d'outils de performance pour le faire savoir de manière plus évidente. La SIC Apidae, par son niveau d'innovation, sera cet outil efficace sur lequel chacun pourra s'appuyer pour développer des stratégies ambitieuses. S'associer pour mettre en commun nos moyens financiers comme nos moyens humains, c'est la meilleure solution pour réussir. C'est à cela que nous croyons, c'est pour cette raison que nous investissons, et c'est pour cette raison que je pense que vous devez investir aussi. L'industrie du tourisme peut faire en France comme l'industrie aéronautique l'a fait en Europe avec la création d'Airbus. Nous souhaitons simplement avoir le même résultat financier au bout dans quelques années.